tous et bienvenue sur Illusion. Aujourd'hui, vidéo spéciale dans le studio pour discuter de ce qui s'est passé cette année sur Illusion. Avant de commencer la vidéo, petit changement. Voilà, je crois que c'est bon, on peut y aller. Je sais que c'est pas Noël, ok? On commence avec la présentation de la chaîne. Cette vidéo, elle m'a pris énormément de temps parce que je voulais vraiment que ça représente fortement la chaîne. Et les retours ont été incroyables sur cette vidéo, donc merci beaucoup. A l'origine, la vidéo avait été postée le 1er octobre, l'anniversaire d'Illusion du coup, mais on n'entendait rien, le son était horrible, du coup, j'ai dû la reposter 2 mois après avoir cumulé 200 vues, donc 200 vues dans le... on est sur YouTube, c'est pas grave. On continue avec le premier court-métrage d'Illusion, Stopwatch. C'était un super tournage. On avait les deux acteurs principaux, Alex et Pavel, qui ont assuré. Le tournage s'était super bien passé, mais bon, il y avait quelques petits problèmes. Deux chiens, quoi. Mais tu vas l'énerver encore, lui. Voilà. On a une limite de temps, il y a le chien qui vient, et après il y a les voix. Ensuite, je vous ai parlé de mon logiciel de montage, parce que vous avez été beaucoup à me le demander. Du coup, je l'ai fait. Tu t'abonnes et tu likes. Alone, traduction seul. Ce film, il n'y avait que moi dedans, personne derrière la cam non plus. C'était vraiment juste pour montrer que même si on est tout seul, on peut quand même faire des films. Toute l'équipe, on vous a préparé une vidéo spéciale pour l'anniversaire d'Illusion, qui est donc le 1er octobre. Et bon, on a eu Alex qui rêve totalement, quoi. Surtout que le prochain film, bah on va gagner, je sais pas moi, 1000 abonnés. Mais peut-être qu'on peut le faire. Merci à Mathéo, Anastasia et Elisa pour la participation, et aussi à Pavel, sans oublier forcément Pavel, qui a fait sa vidéo à 22h du soir. Pour qu'elle puisse sortir le lendemain, on peut l'applaudir. On enchaîne dernier film de l'année avec Outsider, le film d'Halloween en français, avec l'arrivée de plein de nouveaux acteurs, Lina, Mourad, Anastasia, Elisa et Marina. Et ouais, ça fait beaucoup d'un coup. Avec bien sûr la participation d'Alex et Pavel, qui s'incrustent tout le temps. J'étais incroyable, mais un peu flippant quand même, mais c'était bien vu que ça nous mettait dans l'ambiance. Là aussi, on a eu des problèmes. On a tout perdu. Quelques jours avant la sortie du film, mon ordinateur, il a décidé de mourir. On avait perdu tous les fichiers pour le film. Mais on a tout de même réussi à retirer les fichiers. Merci à toute ma famille pour l'aide. Et voilà, j'ai appris plein de choses. Et je pense que l'équipe aussi. En un an, ce qu'on a réussi à faire pour une équipe qui débute, c'est super. Merci à toute l'équipe, même si je les ai déjà mentionnés. Merci. Alex, Pavel, Lina, Elisa, Mourad, Marina et Anastasia. Et il y en aura beaucoup d'autres l'année prochaine. Pour parler très rapidement des projets de l'année prochaine, il y aura bien sûr les courts-métrages, ça change pas. Il y aura aussi des vidéos un peu plus précises sur la musique dans les films, les effets sons et les effets spéciaux. Donc tout ça arrive l'année prochaine. Et on aura aussi une grosse série qui arrive. Ça fait 5 ans qu'on travaille dessus et on a tellement hâte de vous la montrer. Le tournage va commencer très prochainement. Et puis, c'est une série policière. Et voilà, j'en ai dit trop, c'est excellent, super. Merci à l'équipe avec laquelle j'ai bossé. Et à vous, vous qui regardez cette vidéo, merci beaucoup. Merci d'avoir regardé Illusion cette année. Et je vous dis à bientôt sur Illusion. Action.